Nous sommes là dedans. Tu as intérêt. Bonsoir. Hey, bonsoir. Bonsoir. Officier en cas lyonnais de la brigade des Antigans. Nous traçons un téléphone volé. Et il se pourrait que c'est à cet endroit précis. C'est lui qui a le téléphone. C'est l'un de vous deux qui est déjà. C'est lui. Baba, dis, tu m'as c'est toi qui as le téléphone. Tu m'as acheté un téléphone. C'est lui. Tu m'as acheté un téléphone. Tu as le téléphone d'El Piso. Il a le téléphone portable. C'est lui. Je dis que c'est lui. Il a pas de téléphone. Il a. C'est lui qui a le téléphone. Ok. Gars, pardon, gars, j'ai pas le téléphone. C'est lui qui a le téléphone. Depuis que je sors le téléphone, tu donnes. Je parlais de ça tout à l'heure. J'ai pas le téléphone, gars. Le téléphone portable, tu le sors maintenant, tout de suite. Gars, tout de suite. Il dit qu'il va tirer sur lui. C'est lui qui a volé le téléphone. Je veux ce téléphone portable. Où est-il? C'est le téléphone, c'est ça que j'ai. Ouais. J'allais dire le remettre. Mon inspecteur tire sur lui, il meurt. Ok, papa, tiens, il va me tuer. Il te tue. Quand tu es tué, il rencontre. Tu veux que je meure, tu vas assister monsieur, à ma population. Tu as fait comment pour l'avoir? Tu l'as acheté? Non, je l'ai pas acheté. Comment tu as fait pour avoir ce téléphone portable? Tirez sur lui, meurt. Les enfants jouent avec ici, là. Comme il y avait l'autre qui créait les mangas, là. Le téléphone est seulement tombé, les enfants ont commencé à jouer avec. Moi, j'ai récupéré le téléphone pour remettre au propriétaire. Ouais. Récupéré pour remettre au propriétaire. Et où est-ce qu'il se trouve ce propriétaire là? Tu peux me dire où il habite? Tirez sur lui, meurt. Et il va me tuer, frère, je vais mourir. Hein. Il te tue. Donc, tu vas m'éliminer du projet pour que vous restez seul. Est-ce que tu connais le propriétaire? Où est-ce qu'il habite? Tu peux m'y conduire? Allez, debout, viens ici. Allons-y. Pardon, si tu m'arrêtes comme ça, là, il va croire que c'est moi qui ai volé. Tu vois, souvent, non, comme dans les films d'action, je ne veux pas mourir comme Floyd. Qui est moi là-bas. Tu me monsieur l'inspecteur, qui ne vous embrouille pas. Écoute-moi. Attendez. Très bien. Attendez d'abord, laissez, je vous dis. Moi, je vous donne 500. Vous tirez sur lui, meurt, vous écoutez. Il avait la machette. Il a les yeux rouges. Jeune homme. Écoutez-moi. Tirez sur lui. Si on arrive là-bas. Et quand se rend et que je me rende compte que tu as quelque chose à voir avec ce vol de portable, je vais devoir te buter. Tu m'as compris? J'espère que tu me dis la vérité. Sur la cachette, ça vous dépasse. J'espère que tu me dis la vérité. Je vous dis la vérité. Allez, passe là devant. Vite! Il suffit, je te bute. Avance. C'est qui? C'est moi. Salut. Bonjour. Les enfants là m'ont dit que il y a un gars ici là, il cherche quelque chose. Attends. Il y a quoi? S'il te plaît, viens, je cherche. Bonsoir, petit frère, grand frère, ou mon ami. Lydia, tu m'as donné quelque chose? Non. Tu m'as vendu quelque chose? Non. Je te dois quelque chose? Non. Non. Tu as perdu quelque chose? Oui. C'est ça ici. Oui, c'est mon téléphone. Tu es sûr que c'est ton téléphone? Oui, je suis sûr. Mon ouf-feu. Ok, non, moi je ne connais pas l'histoire du ouf-feu. Bon, en fait, je ne connais pas ce qu'on appelle le ouf-feu. Merci beaucoup d'avoir retrouvé mon téléphone. Je suis l'ami du fils de la Bayeresse. Non, c'est bon, merci. Ok, bon. Merci beaucoup. Bon. Merci. Monsieur, vous confirmez que c'est bel et bien votre téléphone portable? Vous le confirmez? Oui, je le confirme. En tout cas, Lionel, vous êtes en telle arrestation. Ne bougez plus. Et qui est? Bon, mademoiselle, arrêtez. Ah non, arrêtez.
fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Tu me demandes quoi? Sors! Il n'est pas à pas. Tu es chez toi ici. Sors! Pas! Tu fais quoi ici? Il y en a un ennemi. Il est heureux ici. Papa, dis, tape sur elle. Je veux pas commettre un crime. Le piso, tu m'as pas dit que tu n'avais pas le ouf aussi. Et qui? Tu ne vois pas comment un prisonnier m'envoie le ouf? Sûrement, c'est que je connais le propriétaire. Je vais aller remettre le propriétaire. Le piso. Yes. Mais, Angassi nous met en défi. Elle me met en défi. Elle nous met d'abord en prison. Après, je lui dis que n'entre pas là-bas. Ne pas plus prendre l'argent de mon loyer. Parce que je suis l'administrateur des biens. Elle s'en fout, elle part, je l'attends. Je suis obligé d'aller m'échanger pour la massacrer. Pour la massacrer. Arrête bien la hache là. Arrête bien la hache là quand j'aurai besoin de ça. Tu n'as encore rien vu. Même tes cheveux vont se raser. Tu n'as encore rien vu. La babouche ne s'est pas encore coupée. Un jour, je l'attends. Babadi, ouais. Chef Shalom n'a pas arrivé là-bas, on va faire comment? Gars, je vais la rattraper, elle ne peut pas fuir. Tu oublies que j'ai fait le sprint en prison. Tout le temps qu'il passait à courir en prison, on pensait qu'il était faux. C'était les entraînements. Je vais l'attraper au moins un geste. Ah voilà, tu vois, elle a pris l'argent. C'est-à-dire, commence à prendre tes distances parce que je n'aime pas les proies faciles. Je veux que tu prennes d'abord la longueur. Je n'ai pas envie de te manger facilement. Quoi, Léo? Je te demande de fuir, je n'aime pas la facilité. Je vais te faire. Ha! Comme ça, tu n'as pas peur de moi. Tu n'as pas peur. Donc, tu penses que moi, je ne vais pas avoir peur de toi? Non seulement, tu nous envoies en prison, maintenant, tu as encore le toupet de venir ici, je te dis, ne pas plus là-bas prendre l'argent de notre loyer. Ça, c'est le camp de mon père. Et c'est ma mère qui gère. À peine je pars en prison, on me dit que c'est toi qui gères déjà. Et tu prends l'argent. Tu veux partir avec. Donne-moi l'argent là. Est-ce que tu sais que l'argent connaît les responsables? N'est-ce pas? Tu es un voleur. N'est-ce pas? Et les voleurs n'ont pas droit à toucher à l'argent. Ah bon? Tu veux donc voir? Bouge alors et vois. Depuis on dit au 4. Tu as fait mensonge. Quoi? Mensonge! Renseigne-toi chez Depuis, ce qu'il fallait vous faire. Mensonge! Quel mensonge? Mensonge! Tu connais ce qu'il fallait te faire là-bas jusqu'à tu as fui, non? Minal! Je suis venu là-bas pour vous taper à trois. Ah. Mais il a eu la chance qu'il était seul. Il ne pouvait même pas le taper parce qu'il était seul. Il allait le tuer. Mensonge! Donne-moi l'argent et te laisse la vie sauve. C'est pour ça que nous sommes là. Même les 5, tu n'as même pas. Je dis, hein? Qu'est-ce que ça s'est encore revenu chercher ici? Elle fait quoi ici? Elle est venue prendre l'argent du loyer du camp des Babadi. C'est vrai ce que Delphizo te dit là. Et on lui a donné l'argent. Elle a pris l'argent. Oui, elle a pris l'argent, elle a mis ça dans son calé-concon là-bas dedans. Et vous parlez de quoi avec elle? Tu fais quoi ici? Voilà. Tu fais quoi ici? Moi, Minga, tu as le topel de revenir ici. Voilà. Tu ne vas pas me chasser. Je vais tuer le rat ici là. Je vais tuer un rat ici là. Puisque vous causez avec elle, elle vous perd le temps. Tu perds le temps, mon Jean. On parle avec toi. Elle a le temps. En prison, c'est grâce à toi et à cause de toi. Le fuit, et tu le viens ici là parce que tu te dis qu'il n'y a personne ici là pour te brimer. Prends l'argent là. Passez-vous. Donne l'argent là. Passez-vous. Moi, Minga, je vais te frapper. Frappe-moi là. Moi, une blague, pas. Je ne te donne aucun. Je vais te ton sage. Tu parles avec moi, je m'en vais. Mais, Delphizo, mais toi tu tapes-tu, est-ce que c'est... Gars, excuse, je ne savais pas. Moi, je ne joue pas comme ça. Je ne joue pas comme ça. Vous voulez pas non? N'aime pas ça, je ne joue pas comme ça. J'ai pas fait exprès. Je ne joue pas, je ne joue pas. J'aime pas faire exprès. C'est quoi ça? Tu as fait exprès, Delphizo, venons bagarre avec elle, venez. Ah, mais t'as ma dent qui bouge. Lise, on va gérer un problème de dents après. Viens d'abord, viens. J'avais appris le dessus sur elle. S'il vous plaît, j'ai besoin d'un renseignement, excusez-moi. Est-ce que vous pouvez m'aider? Mais ma chérie, toi, tu vois que c'est le moment de prendre le renseignement maintenant là. Tu trouves les gens en train de bagarrer. On dit la bagarre. Quand il y a bagarre générale, tu as déjà vu où qu'on met d'abord stop, un renseignement. Ça veut dire qu'on n'arrête pas. Il n'y a pas de pause dans la bagarre générale pour donner le renseignement. On ne se renseigne pas ici. Il faut aller te renseigner à la chefferie. Il y a quoi? Ok, je vous laisse donc bagarrer. Hein? Ok. Vous voulez bagarrer? Attachez-la! Attachez-la!
I'm a crook. I'm a crook. I'm a crook. Maintenant, tu vois ce que ça fait que d'être en prison. Ouais, tu vois quoi? Tu ne vois rien. Tu es dans le noir. L'obscurité totale. Tu ne sais pas si c'est le jour, si c'est la nuit, si c'est midi, si c'est 15 jours. Je ne connais pas. C'est exactement ce qu'on a vécu. Voilà. Moi, je suis la même chose. Vous chassez par Kiki. C'est qu'on va pas sauter. Tu vas te frapper aux fesses comme on t'a jamais frappé. Il faut qu'on la dégage. Moi, je ne vois pas les fouets. Je m'en fous. Va chercher les fouets. Tu sers à quoi? Il t'a déjà dit qu'il faut prendre tes responsabilités en main. Tu n'as pas de responsabilité sur ce qui arrive ici. On te laisse à la maison, tu restes transformer la maison en bezodium. Tu prends un voyou, tu le mets ici, tu le nourris, alors que c'est toi qui devais même prendre l'argent du loyer ici. La maman est partie au village, on te laisse, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, je t'envoie, va me chercher les fouets. Moi, je ne vois pas le fouet. Va me chercher les fouets là-bas, ne fais pas que j'arrive sur toi. Mais tu t'es prêt à voir les gars, on va pas te tuer. Tu t'es prêt à voir pour qu'on laisse tomber la fesse ici. Tu as le tout fait, tu sais que c'est le gros. C'est le mépris. Je le mépris. Pourquoi tu tiens, tu laisses en prison? On va pas te tuer. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi? Vous voulez quoi? Vous c'est qui? Vous c'est qui? Vous venez interrompre les gens ici là comme ça. Tu entres dans les problèmes de famille. Allez. Passe ta route. Allez. Passe ta route. Jusqu'à ce que tu me regardes. Allez. Tu veux m'influencer? Tu veux m'influencer? Tu ne me connais pas. Tu ne sais pas d'où je viens. Tu sais pas d'où je viens. Haricot. Tu arrives, tu viens interrompre les gens, vous appelez. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu es qui? Tu es de la police. Il y a quoi? Je suis en train de menacer quelqu'un ici à toi, tu viens quand même menacer. Tu n'aimes pas ça. Faut que les gens. Vous respectez les gens, hein. Faut respecter les gens. Gars, un anti-gang. Hein? Un anti-gang. Pourquoi? Comment? Tu as fait ça comment? Tu sais ça comment? C'est un anti-gang. En fait, c'est comme le téléphone que Delphine avait là. C'était un téléphone volé que le voisin qui est là-bas avait aussi volé. Mmh. Maintenant, comme lui, il a un anti-gang, il a donc crassé le téléphone là. Quand il crasse le téléphone là comme ça, ça tombe que c'est Delpizo qui a ça. Il nous couvre ici. Il dit que, oh les mains, donnez le téléphone. C'est comme ça que Delpizo prend alors le téléphone et pas donner ça au voisin là. C'est comme ça quand il poursuivait alors le voisin. Il a l'arme. Chef, vraiment désolé. Delpizo, tu voulais le téléphone pourquoi? Tu voles le téléphone, pourquoi? Pourquoi tu voles ça, mon frère? Je n'ai pas volé le téléphone, j'ai trouvé le téléphone, je vais aller remettre au propriétaire. Et puis, je dis la vérité. Non, chef, pardon, s'il vous plaît, désolé, il a remis le téléphone. C'est sa soeur, c'est leur problème, c'est un problème familial. Donc, on était simplement en train de résoudre ce problème-là. Il n'y a vraiment pas de problème, on s'excuse par rapport à ça. Nous sommes ensemble. Non, c'est votre famille. Moi, j'étais seulement en train de leur demander d'arrêter la violence. Parce que la violence n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas de sa famille, je suis juste venu aussi passer comme ça, là, j'ai creusé sa situation aussi. Mademoiselle. Mademoiselle, il y a un problème? Il n'y a pas de problème. Et pourquoi vous êtes attachée? Elle n'est pas attachée. C'est une fille qui a fugué. On veut la ramener dans la raison. Lève-toi. Parfois, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas porter plainte? Il y a un problème. Non, je vais régler ça moi-même. Pourquoi? Je suis sûr que ça va, tout est OK. Non, ça va, ça va. Elle est souvent malade. Parfois, on l'arrête comme ça pour qu'elle ne fasse pas la brutalité. C'est là. Donc, il y a souvent parfois, les gars jouent comme ça. Nous, on est ancré. C'était le jeu. Ça va aller, je vais régler ça. C'est un petit problème. Merci. Mmh. Chef, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais vous l'avez arrêté. Vous l'avez arrêté là-bas. L'argent que tu as, alors, la donne ça au chef. Comme ça, il part. Après, nous aussi, on a un je suis que ça va vraiment aller. Non, ça va. Moi, j'ai seulement trouvé le pilon. Pourquoi le pilon? Tu as demandé le pilon pour taper. Qui va regarder ça là-bas? Vous tapez le pilon. Pourquoi vous avez la violence comme ça? Va regarder! Non, ça va. Ça va. Laisse-les partir. Laissez-les d'abord partir. Et puis, c'est tout ça, ça laissez-les partir. C'est à cause de toi. Laissez-les d'abord partir. C'est comment? C'est à cause de Delpizo. S'il vous plaît. Je peux déjà avoir mon renseignement. Non, toi, tu étais encore là. Donc, pendant ce temps, tu as résisté. Donc, tu es resté là pour voir ce que les autres font. Pourquoi? Pourquoi vous aimez le commérage? Pourquoi vous aimez le commérage? Tu veux que j'aille des renseignements jusqu'à ce qu'on te dise pas, mais tu t'assois chez les gens. Excusez-moi. En fait, je suis une assistante sociale envoyée par le CEIC. L'ONG qui vous a sorti de prison.
En fait, je suis venue voir si votre réinsertion se passe bien. Oui, ça se passe bien. Oui. Je suis venue observer, évaluer et aller faire un rapport. Ça va ici. On s'intègre. Comme vous avez dit qu'on fasse notre programme là, on a bien fait notre projet. Oui, c'est déjà en place, c'est très près. On se disait que peut-être que l'Indien va venir là-bas pour vous montrer notre projet. Comme ça, on s'intègre. Ne vous fiez pas à ce que vous avez vu là tout à l'heure. Non, c'est les répétitions. On organise souvent les balles dans les quartiers. Maintenant, on nous a pris pour choisir. Comment on a fait les activités en prison? Non, dis la vérité, s'il te plaît. En fait, quand nous sommes partis en prison, nous avons laissé une pièce de théâtre en cours. Parce qu'en fait, d'habitude, on faisait souvent des prestations de théâtre dans les quartiers. Oui, oui. Et puis, là, c'était notre sœur, et il y a une pièce théâtrale qu'on devait présenter quand on allait en prison. Et elle est donc venue, il était donc question qu'on essaie un peu de refaire la République. Avec autant de violence. Non, non, c'était pour montrer. Il faut que ce soit passion. Réel. Tu vois, comme la passion du Christ, non? Oui. Si on ne montre pas que Jésus était mort sur la croix, il y aura la passion. Oui, donc il faut qu'il y ait un peu des effets vraiment réels. Que on sente que l'action était vraiment bien vivante. Bon. J'ai vu ce que je voulais voir et je vais vous laisser. Tu as filmé, tu avais le téléphone. Non. Arico, faisons quelque chose. Tu as combien sur toi? Dis-toi, tu voulais d'abord le téléphone pourquoi? Si au moins elle avait vu ce qu'elle avait vu là, ça peut passer, mais le téléphone, il y a tous les preuves. Depuis ton nez, il y a mon téléphone, tu vas voir les gens. Qu'est-ce qui te prend d'aller voler le téléphone d'Elfiso? Qu'est-ce qui te poussait d'aller voler ce téléphone d'Elfiso?